Dis-moi, Da, il vient d'où ce chat ? Je ne sais pas, il était là ce matin. Il est surtout noir, comme un diable. Mais je n'avais jamais vu de chat aux yeux d'argent. 28 juin, ainsi mon petit Sébastien n'ira pas au bord de la mer cette année. C'est peut-être égoïste de ma part, mais j'en suis bien content. Je connais ce petit depuis qu'il est bébé. Et comme il n'a aucun grand-parent, je suis un peu comme son grand-père. Sébastien, c'est différent. Il m'apporte tellement de joie. Je me suis promis de tout faire pour lui faire passer des vacances inoubliables. J'espère qu'il ne va pas s'ennuyer avec moi. Ce soir-là, je me suis très vite endormie. Drôle de bête que ce chat. Son regard me met mal à l'aise. Mince alors, cette fois, c'était deux. Deux chats noirs aux yeux d'argent. À ton avis, ils se nourrissent de quoi ? De vers et aussi de petits insectes. Non, je parle des chats. Tu crois qu'ils chassent ? Ah, ces chats ont vraiment l'air de te tracasser. C'est juste que non, rien. Nous avons passé de bien bonnes, heureuses, Sébastien et moi, au bord de la rivière. Ce garçon a tellement échangé ces derniers mois. Sa capacité folle d'imagination m'amuse. J'ai bien senti qu'il se faisait tout un cinéma à propos de ses chats. Je dois reconnaître qu'ils sortent de l'ordinaire avec leurs yeux. Ah, c'est beau ce que tu dessines et ce chat monstre ? Non, c'est rien, c'est moche. Avec la pluie qui tombe, tu n'iras pas chez... Non, je peux pas laisser avec les... Avec les quoi ? Non, rien. Je savais qu'il y aurait un troisième chat ce matin. Ces chats auraient-ils quelque chose de diabolique ? Juillet. Comment dire l'angoisse qui m'a saisi ce matin lorsque j'ai découvert le lapin égorgé ? Un livre ? Mais quel livre ? Celui-ci ? Pas de doute. C'est celui-ci que je cherche. Da, les chats. Oui, j'en ai compté 5 ce matin.